ceux qui veulent, ils le peuvent. Ce sera bientôt le roi des pirates, le plus puissant sur la carte de Black Sword. Les amis, bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui, les amis, on a un nouvel objectif. L'objectif d'avoir le style de combat God Human. Mais bien sûr, pour ce faire, il va falloir augmenter tous nos styles de combat en V2. Et c'est plus compliqué que prévu, les gars. Il y en a énormément et ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, on commence avec le style électrique qu'on va passer en V2 pour avoir les Electric Claws. Donc déjà, c'est un des styles de combat les plus stylés, les gars. Regardez-moi ça, piétiner. Boum, on arrive, on fait un éclair de génie. Bon, là, on l'a pas touché. Tacle électrique, on le mougou. 2700 quand même l'attaque. Attendez, en plus, j'étais pas en haki. Et on va quand même mettre la petite écharpe de Katakuri pour faire un max de dégâts. Oh, ça va de m'agresser comme ça derrière. Regardez ça, tacle électrique, boum. 3260. Le piétiné quand même qui fait son petit lot d'attaque. Oh, et il y a un mec là. Non, non, attention, hein. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Attention, j'ai mon épée. À tout moment, ça part. Ah, ça va, c'est un abonné. Cool. Et du coup, le plancher électrique aussi qui va nous faire 4800 de dégâts. Et ça, c'est pas mal. Ok, d'accord, ok. Il commence à m'attaquer, c'était sûr. Bien joué, petit filou. Je suis pas un fake, laisse-moi tranquille là. Bon, allez, dégage. En fait, je me fais attaquer dans les games parce que les gens croient que je suis un fake et du coup, ils veulent me tuer. Au moins là, il m'a tué, c'est bon, il pourra plus m'embêter. Ok, les gars, c'est parti à la terre de gâteau. Est-ce qu'il va me suivre? Me suis pas. C'est bon, il me suit pas. Les gars, là, je l'ai quand même masterisé jusqu'à la maîtrise 398. Il faut qu'on ait la maîtrise 400, les gars. Donc là, il faut juste qu'on les défonce tous. Mais bien sûr, les gars, avant qu'on augmente ce style de combat en V2, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en balle. On rush les 200 000 abonnés. Et moi, en attendant, hop là, je prends Bouddha. On va les défoncer rapidement quand même. Salut les petits potes, vous êtes fichués maintenant. On défonce les Cookie Crafters en bonne et due forme, les amis. Et normalement, on devrait atteindre. Non, il m'en manque un tout petit peu pour avoir la maîtrise 400. Ah, mais il est là, c'est pour ça. C'est lui en fait, c'est lui qui me manquait. Salut mon pote. Et plancher électrique. Et boum, merci beaucoup. Maîtrise supérieure 400. C'est parfait, les gars. Une fois qu'on a le style de combat électrique masterisé en 400, il faut tout simplement qu'on se rende sur l'île des tortues. Hop là, île des tortues. Île des tortues, centre des tortues. Allez, on va au centre des tortues, nickel. Maintenant, il faut que je retrouve le petit bonhomme à qui il faut qu'on parle. Alors, pas lui, mais ceci dit, il y a un Master of Aura là, bonjour. Régular, Rarity, Régular, Yellow Sunshine. Bon, écoutez, on a combien de fragments? Ah non, on a pas beaucoup de fragments. On va peut-être pas te l'acheter, désolé mon pote. Alors, où est-ce que je dois aller déjà? Je sais plus. Il y a un petit bonhomme. Ah, il est là, les gars, on doit aller parler à ce petit bonhomme ici. Yo, mon pote, au Previous Hero. Une fois que vous avez le style électrique monté à la maîtrise 400, vous allez parler à ce frère. Et je vous conseille d'abord de vous équiper d'un fruit assez rapide qui va vous permettre de vous déplacer rapidement. Parce qu'il va tout simplement nous demander, mon petit pote, vous semblez avoir le potentiel. Est-ce que vous pouvez aller au manoir en moins de 30 secondes? Et après, on pourra discuter. Et ben là, hop, c'est parti, on a 30 secondes. Normalement, je peux aller directement au manoir comme ça. Voilà, nickel, c'est bon, j'y suis. Bien joué. Maintenant, on doit retourner voir le Previous Hero. En vrai, si vous avez le portail, c'est assez simple, les gars. Il y a juste à se téléporter et puis c'est bon. Non, mais on n'a pas fait grand-chose, hein. C'est pas mal. Bon, maintenant, faut retourner voir le frérot. J'ai encore perdu. Hop là, il était là-bas, je crois. Mon frérot, viens me voir. Hop là, nickel. C'est bon. On a fait ton petit truc, ta petite course. Et maintenant, on va pouvoir lui parler. Veux-tu apprendre le style de combat griffe électrique pour 3 millions et 5000 fragments? Ce style permet l'utilisation de griffes électriques pour percer tes adversaires. Il a aussi 3 compétences spéciales. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là. Sauf que, il me manque vraiment 56 fragments. J'ai un peu le seum. Bon, je peux faire une photo. Bon, bah, du coup, tu crois que je suis le vrai ou tu crois que je suis faux? Non, je vais pas faire de photo avec toi, tu m'as attaqué, tu m'as tué tout à l'heure. Pas gentil. T'es pas cool, mec, t'es pas cool. Bon, en attendant, nous, on va prendre vite fait nos petits fragments, il nous en faut. Allez, on prend, voilà, pour 75 Robux, on prend 500 fragments, voilà. De toute façon, on n'a pas besoin de plus, les gars. On n'a pas besoin de plus. Nickel. Et là, du coup, c'est bon, on va changer le style de combat Previous Hero pour 3 millions. Allez, c'est parti à perdre 3 millions et 5000 fragments. Ok, la griffe électrique a été apprise. Et c'est bon, les gars, on a la... Oh là là, oh, on a les petites griffes et tout qui vont avec, ça c'est stylé. Ça a du flow, ça a du flow. Alors attendez, attendez. Si j'enlève... Ah ouais, là j'ai enlevé le haki, c'est stylé. Parce que le haki du coup se met même sur les griffes. Et sans le haki, c'est bien bien vénère en vrai. Bon les gars, ici on allait tout de suite tester ça. Allez hop là, au hasard on va au grand arbre. Oh bah ça se bagarre ici, salut les petits potes. Voyons voir combien de dégâts ça fait. Au total là, on met le haki plus petite écharpe, ça fait du 2200. 2200 c'est pas mal. En vrai, oh là là, on les agresse. Non, c'est franchement cool. Le style et tout, non, il est incroyable. Oh là là, c'est si rapide. On tape vachement rapidement et on prend plein de maîtrise. Mais là les gars, on les agresse.
en fait avec ça. C'est une dinguerie. D'ailleurs, la première maîtrise s'appelle le massacre électrique. Les gars, ça va être une singerie ça aussi. Je suis très curieux de voir. Du coup, je vais vous défoncer les Marine Commodore. Hop là, donnez-moi toutes mes maîtrises, les petits potes. Mais il est super rapide ce style de combat. C'est une dinguerie. En même temps, c'est un style de Mink. Hein. À la base, c'est bien vénère. Oh là là, mais oui, mais oh là là, mais tout ce qu'on lui met comme dégâts par seconde. C'est ouf. Toi aussi. On l'enchaîne. Allez, c'est parti. On va aller à la maîtrise 110. Hop là, il chocolat. Nickel. Bonjour. Bonjour à tous. Oh, c'est sympa ici. Hop là. C'est votre tour maintenant. C'est votre tour. Mais pourquoi il glisse dans le sol? Il glisse dans le sol. Il est super dur à toucher. Vous êtes insupportable, monsieur. Je veux juste mes maîtrises. Laissez-moi juste mes maîtrises. Mais ils sont insupportables. Ils glissent dans le sol et tout. Je vous électrifie, moi. Je vous électrifie. Il dégage. Mais ils sont trop chiants. Ils glissent dans le sol. Ils ont des patins à roulettes. C'est une dinguerie. C'est quoi ça? Ok. C'est bon. New skill available, les gars. Le massacre électrique est disponible. Ok. Voyons voir ce que ça fait à vide déjà. Oh, ok. Ah ouais, attendez, ça a touché quelqu'un là-bas? J'ai l'impression que ça l'a renversé dès que j'ai utilisé le truc. Pardon. Ouais, maintenant, voyons voir combien ça fait de dégâts. Sur toi, par exemple. Toi, t'as rien demandé à personne, c'est parfait. Massacre électrique, combien? Oh là là, 3600. 3600 de dégâts pour la première attaque, nous sommes bien. C'est stylé. Après, les gars, il y a quand même aucun style de combat qui pourra rattraper le Sanguinart. Oh, un peu de Conjured Cocoa. C'est rare, ça, non? Ou pas tant que ça? Ça va. Rare matériau. Ok. Bon, bah écoute, mon petit pote, voilà, un massacre électrique, c'est pour ta pomme. Tiens, mange-toi ça. Oh, mais attendez, je me TP. Oh, je me TP à la fin de l'attaque. Ok, ça veut dire qu'on peut attaquer de loin. Hop, on fait ça comme ça. Et boum, on arrive sur lui. On le transperce et on le défonce. C'est encore de la cocoa, merci beaucoup. Ok, donc il y a une petite TP à la fin de l'attaque. Ça, c'est stylé quand même. Massacre électrique, là, il est trop. Ah ouais, donc juste le dash, il met du 2600. Juste, on fait un petit dash comme ça. Et si je reste pas appuyé, que je fais juste ça. Ok, ça fait juste le petit dash. Ok, c'est sympa. Non, franchement, c'est pas mal. Première attaque, très vénère. Et j'imagine que ça marche sur les groupes. Attendez, venez voir. Venez par là, vous. Est-ce que ça marche sur les groupes? Oui, ça marche. Effectivement, ça marche bien sur les groupes. Parfait. Allez, on les défonce, tous à la chaîne. Massacre électrique, vous êtes foutus. Boum, électrique close. Parfait, merci beaucoup pour les maîtrises, les gars. Ça fait plaisir pour les travaux. Bon, attendez, maintenant, il faut quand même qu'on découvre les prochaines maîtrises, les gars. On a poussé de foudre et coup de tonnerre et flash. Carrément, il y a plein de trucs dans ces attaques, c'est une dinguerie. Poussé de foudre, coup de tonnerre et flash. Ok, bah les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On va à la terre de gâteau, Cookie Crafters, Petit Bouddha, et on les défonce. Et pourquoi il y en a plus? Où sont passés mes Cookie Crafters? Eh bah, c'est parti, on défonce les Cookie Crafters en balle. Mais y a un cheater, arrête de cheater mon pote. Vous savez ce qu'on leur fait aux cheaters? On les défonce les cheaters, voilà. Ah bah il a pris la fuite, il s'est téléporté je ne sais où, saloperie de cheater. Je le disais bien aussi, c'était bizarre qu'ils avaient tous disparu comme ça. Et bah on se casse en serveur privé alors s'il y a que des cheaters partout. Hop là, c'est bon, est-ce que enfin je vais pouvoir masteriser tout ça? Enfin, c'est bon, les Cookie Crafters sont à moi, rien qu'à moi. On va tous les défoncer en bonne et due forme les gars. Allez, rassemblez-vous, oui voilà, petite photo de famille, vous êtes habitués. Là on les mogou. Et boum, massacre électrique pour ceux qui restent, et boum! Et vlaou! Voilà, merci pour les maîtrises, ça fait plaisir! Allez, on se dépêche de respawn, j'ai plus le temps! Je veux la pousser de foudre! Que tout ça, les gars, dites-vous qu'on est en train de masteriser ça, et après, il faudra le masteriser jusqu'au niveau 400, j'imagine, pour avoir le God Human! Et après ça, il me restera uniquement le Kung Fu des hommes poissons, je crois. Allez, on se dépêche! Ça vient me donner les maîtrises ou pas là? Allez! Et boum! Et massacre électrique, ça fait plaisir! Allez, hop là, ça dégage! Ça va, on prend assez rapidement quand même, on va y arriver assez vite! Mais les gars, maintenant je me demande, est-ce que ce serait pas fini des Cookie Crafters? Et est-ce que on irait pas défoncer maintenant tous les autres? En vrai de vrai. Sur la dernière île par exemple, à tout hasard. Peut-être que ça donnera un peu plus de niveau, je sais pas. Est-ce que l'ère des Cookie Crafters est terminée? Est-ce qu'on irait pas sur la dernière île des bonbons là-bas? Peut-être qu'ils me donneront un peu plus d'XP. Les Candy Pirates ou les Snow Demons. Allez, on les défonce, hein, tant pis. Hein. C'est à votre tour, les gars, c'est à votre tour. Vous allez nous donner des maîtrises maintenant. Et oui, c'est votre tour. L'heure est aux Snow Demons. Après, quoique, c'est vrai que maintenant il y a les mecs du Tiki Outpost aussi qu'on pourrait se faire. Et là on se fait les Candy Pirates, les Snow Demons, c'est à côté, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, vous allez tous me donner mes maîtrises. J'en ai besoin, les gars, j'en ai besoin pour le God Human. Allez, un tout petit peu, encore un petit peu. Plus que... Ah mais non, c'est 220, je pensais que c'était 210. Enfin, ça va, en fait, il nous en reste 15. 15 petites maîtrises. Mais j'ai perdu mon habitude, les gars, j'avais ma petite habitude avec mes Cookie Crafters. Ça fait bizarre de partir et de farm ailleurs. Je les aimais bien, moi, mes petits Cookie Crafters, moi. Allez, dépêchez-vous. Encore cette maîtrise, allez, encore cette petite maîtrise. Poussez le foudre, je veux voir ce que ça fait. Je veux voir si on a affaire à un style de combat bien vénère. Allez, c'est vous qui allez me donner le reste des maîtrises. Je le sais que c'est vous. On les défonce, massacre électrique. Boum. Oh non, mais même pas. 219. Ok, toi t'es foutu. Et quoi, je vais te commencer comme ça. Tiens, mange. Ouais, il est parti loin. Hop là. Massacre électrique, mon pote. Et on le défonce. Merci beaucoup pour le new skill available. Maintenant, voyons voir ce que ça donne. Poussée de foudre. Ok. Oh là là, c'est stylé. Ok, on est comme ça. On va leur dash dessus, je pense. Oh
Ok, dash dessus plus explosion de foudre. Alors ça par contre, je suis curieux de voir combien de dégâts ça fait. Ok, tiens-toi prêt, poussée de foudre, boum. Ok, 3200, ça lui explose sa race. C'est pas énorme, mais bon, attendez, si on le prend au corps à corps directement, genre là on a mis du temps, on est arrivé pile au niveau de l'explosion sur lui, mais là si on est close et qu'on met poussée de foudre, ok, non, ça reste à 3200. Mais par contre, c'est une attaque unipersonnelle, on peut pas en prendre deux avec. Attendez, mais mettez-vous en groupe là, mettez-vous en groupe, j'aimerais vérifier quelque chose s'il vous plaît. Bah lui, il est coincé cet abruti. Andouille, on se décoince. Oulala, oulala, bon bah vous savez quoi, venez là. Ok, poussée de foudre, ça les prend tous. Oh si, ça les prend tous. Bon, faut bien les aligner quoi. Ok, donc petite attaque, hein, quand même bien vénère, c'est stylé. Fait quand même du 3200 de dégâts, ça c'est cool. C'est à peu près comme la première, non? On faisait du combien au total? Ah, 3700 quand même, on fait un peu moins que la première attaque. Mais c'est quand même bien vénère dans un enchaînement, bam, on le défonce comme ça, ça fait plaisir. Et on avait un de caché, j'ai fait des dégâts à plusieurs personnes. Hop là, tiens, toi, mange-toi ça. Ouh, j'ai spawn sur les deux. Poussez le foudre, et boum. Oh, il s'est envolé. Massacre électrique pour te terminer, mon pote, merci beaucoup. Bon, et bien les gars, il nous reste plus que le coup de tonnerre et flash à débloquer. Maîtrise 330, on a du taf. Les gars, je pense quand même que je vais retourner auprès de mes chers cookie crafters. Voilà, j'ai pris mes habitudes. Non, mais c'est une grande famille, vous savez. On a pris nos habitudes auprès d'eux. Je peux pas les abandonner comme ça. On retourne à la terre de gâteau. Et oui, les petits cookie crafters. Hop là, parfait. Eh bien, les amis, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Augmenter les maîtrises en balles pour avoir la dernière. Le coup de tonnerre et flash. 330, c'est parti. À tout de suite. Ok, c'est bon. On est enfin arrivé à la maîtrise 329, les gars. Plus que quelques petits kills et on les défonce. Avec le coup de tonnerre et flash, les gars. Allez, il nous manque plus que ça. Allez, toi, t'es le dernier. C'est le dernier, c'est toi. Je le sais. Hop là, massacre électrique. Poussez le foudre. T'es fichu, mon gars, t'es fichu. Cookie Crafters, let's go. New skill available. Coup de tonnerre et flash. Ah, il m'a fait peur, lui. Malade. Voyons voir ce que ça donne à nuit, déjà, comme ça. Le coup de tonnerre et flash. Voyons voir, ça fait quoi. Oh là là. Ok, et flash, je sais pas ce que c'est. Coup de tonnerre, on l'a vu, mais je sais pas ce que c'est, le flash. C'est un TP aussi. On peut se TP si, par exemple, imaginons, je vise là-bas. Est-ce que c'est moi qui contrôle le coup de tonnerre qui va là-bas ou pas? Coup de tonnerre et flash là-bas. Oh! Ah oui, effectivement, ça me TP en même temps. Alors ça, c'est pas mal. Bah attendez, j'ai tout de suite envie de le tester sur le groupe. Voyons voir. Hop là, venez là. Tout le monde se ramène. Nickel, on va faire un gros troupeau et on va essayer le coup de tonnerre et flash sur tout le monde. Ok, tous en rond, nickel. Oula, oula. Coup de tonnerre et flash et boum. Oh, on les a tous soulevés. Allez, hop là, boum. Ça dégage. Oh, ils ont tout mangé. Oh, on les a caillassés, les pauvres. Wow. Coup de tonnerre et flash et boum. Poussez le foudre. Et hop là, on les défonce. Oh, bah, on a annihilé tout le monde. Bon, par contre, j'ai pas trop bien vu combien de dégâts ça faisait exactement. Voyons voir ça. On va tester sur toi, là, le Cake Guard, mon petit pote. Combien de dégâts fait le coup de tonnerre et flash sur toi, frérot? Boum. Et 4000 de dégâts. Nickel. C'est pas mal, ça, en vrai. En vrai, bon petit style de combat quand même. On commence avec du 3006, ensuite poussée de foudre, 3300, limite 3400. Et le dernier à 4000, ça met bien, les gars. Et bah franchement, on avance pas mal sur le chemin du God Human. C'est plutôt stylé, plutôt un bon style de combat. J'aime beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, abonnez-vous, mettez la cloche et likez en bas, on rush les 200 000 abonnés. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut.